Alors, on a mis la voiture à charger. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle est à 43%. Elle nous indique qu'il y a une autonomie de 23 km. Donc là, elle a mis l'heure, il est 10h46. Et en fait, on a fait exprès, donc je l'ai mise à charger. Il devait être à peu près 8h30. Voilà, donc ce qui nous fait une recharge d'environ 6 heures. Parce que tout à l'heure, il nous a dit qu'il restait encore à peu près 3 heures de recharge. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc je vais fermer la porte pour voir s'il y a un message différent qui s'affiche. Voilà, la porte elle est fermée. Voilà, vous voyez 3h43 qu'il reste, sachant qu'il est à 43%. On va dire presque à la moitié, ce qui vous donne donc une recharge, on va dire complète, aux environs de 6-7 heures. Voilà. Pendant qu'elle recharge, si vous voulez, là j'ai mis le contact, hein, il y a la radio, enfin il y a tout qui fonctionne. Voilà, mais le but du jeu c'est de laisser recharger tranquillement et sûrement. Donc ça c'était pour la petite spécificité. Alors attendez, je vais sortir de là-dedans pour vous montrer au niveau de la prise. Allons, je le coupe. Voilà, c'est coupé. Il dit que c'est en charge. Ça reste comme ça. Vous voyez, là tout est éteint. Il n'y a pas de problème. Donc, désolé pour la qualité, je la ferme. Donc vous voyez, donc ici comme ça vous voyez qu'on est bien à l'extérieur. J'ai fait tout simplement mis une rallonge et puis là le câble d'origine quand il est branché, donc là c'est le cache en fait de la prise, et quand il est branché, vous voyez, on peut pas enlever la prise. Parce que certains pourraient se poser la question de savoir si quelqu'un arracherait la prise et puis du coup fait que la voiture ne serait pas chargée. En fait, du moment où vous fermez la voiture, automatiquement la prise elle se bloque. Vous ne pouvez pas avoir l'accès. Enfin, vous ne pouvez pas la retirer. Alors là, par contre, ils n'ont pas fait de système où ça tient. Donc moi j'avais trouvé la solution, en fait tout simplement de la bloquer comme ça. Et donc comme ça vous n'avez rien qui pendouille. Au niveau du câble électrique, donc tout simplement, vous avez, donc moi il passe par ici, par le jardin, et on arrive ici. Donc ça c'est le chargeur d'origine du véhicule. Et vous voyez, donc énergie, c'est en charge, et là c'est ça s'allume quand il y a un défaut. Donc je dois certainement s'allumer en rouge d'ailleurs. Là il est en charge. C'est fait pour être à l'extérieur sans aucun problème, c'est étanche. Là moi j'ai mis une prise, vous voyez, de l'extérieur en étanche aussi. Donc même s'il pleut, il n'y a pas de souci. C'est un parafoudre et c'est aussi il évite les surtensions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc vous avez la possibilité aussi de le fixer à un mur, parce qu'il y a une vis, vous voyez, il y a un trou exprès pour mettre une vis. Vous le fixez à un mur et puis vous pouvez brancher quand vous voulez. Donc là, je le laisse en pleine journée, c'est plein soleil, il n'y a pas de souci. Mais sinon, en règle générale, je mets ça à l'extérieur. Donc vous avez vu, hein, c'est branchement. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur, voilà, c'est en face du domicile, hein, donc il n'y a pas de souci. Et on est bien, donc le garage Basvel Autoservice. Voilà, donc on laisse charger tranquillement. J'en aurai pas l'utilité avant cet après-midi, donc la batterie sera chargée complètement. Et on continuera le test de l'autonomie sur autoroute. Alors, nous sommes à bord du MG, le EHS, pour être précis. Donc le hybride. Et donc là, vous voyez, on a les caméras 360 degrés du véhicule. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. 360 degrés du véhicule.
Ah, je suis désolé. La caméra ne veut pas bien fonctionner, enfin celle qui enregistre là pour que je puisse vous diffuser. Donc voilà. Si là ça marche. Enfin un peu. Je peux sélectionner la caméra que je veux. Donc là je circule. Bon, en même temps, il y a la lumière d'ambiance. Donc là, elle a été sélectionnée en mode bleu dans tout l'habitacle. Donc même au niveau des portières, vous voyez. C'est du plus bel effet. Donc ici, l'affichage normal de l'autoradio qui gère aussi la clim, le GPS, enfin bref. Et puis ici, donc le fameux ordinateur de bord ultra complet. Voilà, avec les différentes jauges. Donc celle de droite, c'est celle de la jauge électrique, et celle de gauche, le carburant. Et au milieu, vous avez donc la vitesse qui est D pour drive. Et après, à gauche, vous avez 283 km d'autonomie entre le carburant et l'électrique. Et bon, là c'est parce que j'ai pas mis la ceinture, c'est pour ça que ça bip, hein. Voilà, donc après je vais vous faire un test en mettant le régulateur de vitesse et la conduite autonome.